Coucou les Pixie Chats, c'est PixieTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog spécial 25 ans de Disneyland Paris, quoi, you know. So, aujourd'hui je suis avec Milou. Salut Toon, comment ça va? Et je suis en compagnie de Sarah Dot. Et la vraie PixieTubeuse est juste là en vrai. Hello, mais qu'est-ce que tu fais sur mon blague, monsieur? Elle joue très mal, hein? Oui. Ça se voit. Je suis pas du tout au courant, ça se voit. Hein. Ma chaîne c'est Sam Vidéo, c'est comme ça se prononce en fait. Voilà, et elle est vachement cool et moi je suis abonnée, alors vous aussi. Et regardez les vlogs à Disneyland. Merci. Vas-y. Xavier, j'habite à côté, voilà.
Voilà. J'ai rien à dire. Ça fait quand même plaisir de le voir, voilà. Les présentations avec Sarah Dodd qui a volé ma casquette, n'est-ce pas? Très jolie casquette. Je te laisse te présenter aussi si tu veux faire de la pub pour ta chaîne, vas-y, c'est le moment. Alors, mais oui, moi, tu peux. C'est Sarah, aka Lemon, la chaîne Lemon Matters. Voilà. Wow. Ils sont violents ici. Tu as plein de sécurité. Sécurité. On se calme. Tu as plein de sécurité. Ah bah bravo. Ça c'est immature. Là, après avoir mangé avec la Disney Pixie Army, les rats d'auteur et la Toon Family, et ben là on va se trouver une place pour aller voir la cavalcade et on va sûrement rester en place pour être sûr de bien voir la parade de 17h30, ce sera ma première. Bonsoir. Les gars, c'était super. Bon, c'est pareil que ce matin, mais ouais. C'est une très bonne cavalcade. Il y a plein de personnages inédits. En fait, j'aurais juste niqué Judy, je crois que j'aurais bien aimé. Mais là, les cinquantaines, c'est vrai qu'il y en avait énormément. T'es d'accord avec nous? De quoi pour la cavalcade? Ouais, bah moi je suis contente parce que j'avais rien vu ce matin et là j'ai trouvé ça très très beau avec de très beaux costumes. Après, ouais, c'est vrai que c'est cool parce que Mulan, Kida, elles avaient toutes des costumes réinterprétés. Aurore aussi, il était vachement beau. Ouais, bah après tu connais mon avis. Moi j'ai craqué là-dessus complètement. Les danseurs aussi, c'est trop beau leur costume. Ouais, bien sûr. Super. Ouais. Je crois qu'on t'a déjà vu. Et donc là, du coup, avec ma petite copine Sarah Dodd, on va tourner encore un petit peu parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que tout à l'heure j'ai eu une idée comme ça, clac-clac de vidéo. Donc on a tourné ça toute la matinée. Et j'avoue que du coup, j'ai pas beaucoup vlogué. Voilà. Le coup de soleil horrible de Milou. D'ailleurs, t'as la trace de la chemise, Edgar. Donc, blasé. Ah bon, je peux parler parce que moi j'ai la trace de ma montre Mickey. C'est bon, ça tourne. La parade n'est toujours pas arrivée, mais on a le temps d'écouter la chanson en entier. Sachez que vraiment, mais vraiment, je déteste la chanson. J'aime pas du tout le côté si petit douda qui a quand même pas vraiment de rapport chez nous. Enfin, il n'y a pas Splash Mountain ni quoi que ce soit. Et je sais pas, j'aime pas ce côté-là. Nous avons trouvé la magie. Vous procédez ? Thank you.
cette fameuse parade. Je savais déjà de base que j'allais pas trop la kiffer. J'avais largement critiqué la musique sur Twitter et je n'ai pas été déçue. Merci pour le micro, monsieur Milou. À un moment, j'ai eu de l'espoir quand il y a eu le char de Peter Pan et le char du Roi Lion. Je trouvais que la musique y passait un peu mieux. Et au niveau des chars, j'ai eu l'impression que c'était du plastique. Je trouve que ça manque de personnages. Vraiment, vraiment, vraiment. Le point positif, je trouve, par rapport à la parade des 20 ans, et c'est sûrement le seul que je peux voir, c'est la concordance en fait des chars, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout va ensemble. J'ai trouvé par contre que le dragon était magnifique, mais il fait tache dans l'eau parce que bah il est clairement au-dessus du reste. Ah si, un autre point aussi qui m'a particulièrement énervée sur le char de Peter Pan, pourquoi il n'y a pas que le chêne, bordel de merde. Désolé, ça m'énerve. Honnêtement, la parade est bonne pour moi. Pour moi, elle est bonne. Elle est plutôt bonne. Après, certes, il y a les points positifs, il y a les points négatifs. Elle peut pas faire, donc je suis d'accord. Si vous cherchez une parade plus merveilleuse, je suis d'accord que c'était mieux Magic Everywhere. Ok. Mais celle-là, elle est cool aussi. Le problème de cette parade, c'est quoi? C'est qu'il y a un espace énorme entre chaque char. Du coup, ça casse un peu le rythme, mais c'est normal parce que vu que la musique doit s'adapter en fonction des chars, si ça fait plus proche, ce serait un bordel sans nom. Dans ce cas-là, tu mets plus de performers ou plus de personnages. C'est possible aussi, mais il n'y a pas de budget. Certes. Après, ce que j'aime bien, c'est le fait quand même que ce soit ludique. Enfin, tu sens qu'il y a de l'animation, par exemple, avec les personnages qui tournent dans la boule de Toy Story, mais... Dans l'ensemble, en tout cas, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Ça peut pas plaire à tout le monde, hein, clairement. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. Et si vous adorez la parade, il n'y a pas de souci non plus. Hein. N'hésitez pas à ne pas m'insulter dans les commentaires pour cet avis. Voilà, de nouveau en compagnie de Sam qui a vu pour la première fois lui aussi la parade avec moi. Donc vas-y, je t'en prie, nous n'avons pas du tout le même avis. On a un avis complètement différent parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup presque adoré la parade. Il y a pas mal de points négatifs, comme par exemple, comme tu disais, il n'y a pas de clochette. C'est un peu dommage. Les chars en gros étaient magnifiques, c'était super haut, ils sont vachement imposants. Et le seul gros point négatif que je trouve, moi, c'est juste qu'il y a très peu de personnages en dehors du char qui dansent devant. Mais sinon, le reste, c'était super. On est assez d'accord. Et au niveau de la musique, toi, t'en penses quoi? Ah non, ça donne envie de danser. Elle est moins magique, mais elle donne envie de danser. Après, c'est une ambiance différente, mais moi, j'ai du mal avec le côté techno en fait. J'aime beaucoup les parades américaines, et là, ça ressemblait vachement. Donc je suis plutôt content. Voilà pour notre point parade, et là, on va continuer à faire le vlog. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais voilà. Du temps. Première et seule attraction de la journée. Donc là, on fait 50 minutes de queue pour Star Tour et après, je pense qu'on va se positionner pour le spectacle Disney Illumination. Et juste avant, j'ai croisé une abonnée géniale. J'ai croisé Laura qui m'a offert ce petit collier avec marqué Oana Means Family. Et je suis super touchée. Merci Laura et surtout merci à toutes les personnes qui sont venues me voir toute la journée, qui ont fait des photos avec moi, qui m'ont fait signer des autographes. Enfin, c'est un truc de fou pouvoir échanger avec vous et tout. Enfin, j'ai vraiment adoré ça. Donc merci à chacun d'entre vous. Ça me fait grave chaud au cœur. Les Pixie Army, vous êtes les meilleurs. Vous êtes prêtes? Ligne 1 au taquet. Ouais. Hello. Il est 20h30, nous sommes sur Disney Central Plaza, nous avons réussi à trouver des places. Ah, et je voulais vous montrer un truc aussi, c'était ma Swan tout à l'heure qui était juste adorable et qui m'a fait ce petit dessin, avec ce petit dessin de fée clochette. J'avais juste envie de te remercier parce que t'es trop chou et toi et Scientifique, j'étais super contente de vous voir. Bon, j'étais très contente de voir tous les copains. Et voilà.